J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour vous montrer comment on range, comme vous l'avez compris, les tampons ainsi que les dyes. Voilà, nouvelle petite. Donc j'ai pas fait la trouvaille du siècle, mais je pense que ça peut être intéressant. Donc écoutez, si ça vous intéresse, c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Alors, pour ce qui est des tampons, donc je les ai mis dans des boîtes ACD, des boîtiers ACD vides, voyez. Donc ils sont tous rangés. Donc alors j'ai pas encore terminé, finalisé mon rangement. C'est-à-dire en fait, alors vous voyez, je mets voilà une planche comme ça, je la fixe ou pas. Excusez-moi, j'ai bougé. Je la fixe ou pas, hein, en fonction du. J'ai juste à voilà ouvrir le boîtier, je retire hop. La pellicule là, je ne vais pas vous le faire, hein, vous savez tous le faire. Voilà, je retire la pellicule. Bon, ça là en l'occurrence c'est un peu difficile, mais voilà, j'ai juste à retirer la pellicule, enlever le tampon, voilà, le remettre. Et j'ai mis, quand j'ai encore l'emballage, j'ai mis de quelle marque c'était. Donc là en l'occurrence. Laura by Laura, c'est ma marque préférée. Donc là, vous voyez, j'ai plus le petit truc, mais je sais que c'est Laura by Laura. Celui-là aussi. Hop. Celui-là aussi. Bon, le but, c'est pas de vous montrer tous mes tampons, mais voilà, là, j'ai mis 4 en scrap, pardon. Donc, voilà, ça, c'est tous ceux où j'ai encore la marque. Donc là, j'ai la marque de celui-ci. Mais pas celui-ci, mais ça je sais que c'est Toga. Voilà, hop. Là j'ai Artemio. Donc là je pense que j'ai tous ceux où j'ai la marque, enfin plus ou moins. Là, et en fait c'est aussi rangé par thème. Vous voyez là j'ai un mug avec bon. Et là j'ai des croissants super. Là on a encore Florilège. Ensuite là j'ai pas de marque, mais c'est sur le thème des voyages. Ça doit être ça. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire une fois que j'aurai. Bon, alors ça prend peut-être un peu de place, mais franchement, pour moi, c'est la meilleure. Voilà, c'est le plus simple, le plus pratique des rangements. Parce que franchement, là, on ouvre. Donc là, j'ai mis du ruban adhésif pour fixer le comme ça, il s'ouvre comme ça. Je ne l'ai pas fait pour tous, mais franchement, c'est bien pratique. Comme ça, le truc, il se remet tout de suite. J'ai juste enlevé les tampons. Là, c'est pareil. Enfin, là, il y en avait déjà un. Et je crois que c'est ça qui m'a donné l'idée. Là, il y en avait déjà un, en fait. Déjà, tout à acheter. Donc, vous voyez, c'est très pratique. Parce que j'ai eu des classeurs, des. Je sais même plus comment je les rangeais avant mes tampons. Ah oui, dans des pochettes. Là-dedans, dans cette boîte-là. Donc là, ce sont des boîtes qui viennent de chez Auchan. Hein. Solu Scrap fait, je crois, les mêmes. Mais franchement, chez Auchan, elles coûtent une misère. Je peux plus vous dire le prix, mais ça coûte une misère. Donc en fait, je les rangerai par thème. Je mettrai des petits intercalaires pour séparer les thèmes différents. Et donc, en fait, alors, je vais vous montrer. Donc là, ce sont les tampons donc tout seuls. Voilà. Ensuite, on a... Hop là. Donc là, vous voyez, je mettrai... Donc, j'ai commencé, j'en ai fait qu'une juste pour vous montrer parce que... Donc là, je mets expression. Donc, j'ai mis quelques exemples que je peux trouver... dans cette petite planche de tampon. En fait, donc l'étiquette, je l'ai faite avec cette machine, là, la Dimo électronique, qui est bien pratique. Et pour tout ce qui est étiquetage, hein, franchement, moi, je fais tous mes étiquetages, avec. Et elle est très pratique. Je crois que vous pouvez en trouver chez Auchan. Mais moi, je l'avais eue gratuite à l'époque. Ça fait très longtemps que je l'ai, quelques années. Et donc vous voyez, je vais étiqueter dessus ce que c'est. Je mettrai donc toujours par thème, mais je mettrai voilà les étiquettes. Donc ça peut être bien pratique. Et pour tout ce qui est, alors, je crois qu'ils sont derrière.
Ouais, ils sont là. Tout ce qui est bon, vous voyez, avec les. Donc là, j'ai les tampons et derrière, j'ai les dyes. Je mets les deux dans la même boîte et je ferai pareil une petite distinction pour les retrouver facilement. Là, j'ai les tampons et les tampons et les dyes avec. Voilà. Donc je les mettrai, je les mettrai enfin, tous ensemble et je mettrai un petit onglet pour spécifier que ce sont des tampons avec les combos dyes et tampons. Alors, on va faire, je vais vous montrer donc comment j'en ai gardé un exprès pour vous. Donc, les boîtes, j'achète les boîtes, je les achète à Auchan. Alors, attendez, par contre, je vais essayer de bien me mettre pour que vous voyez bien. Alors, là, ça devrait aller. En fait, donc, ce sont des boîtes, ils sont vendus par 5. Pour 2 euros et quelques, je crois. Je peux vous dire le prix exact. Je les achète chez Auchan. Pour les tampons, les planches plus grandes, je vais acheter sur Amazon des boîtiers à DVD transparents. Puisque j'en ai pas trouvé des transparents à Auchan. Et j'ai vu que s'il y en avait sur Amazon. Donc je vais me les commander et je vous montrerai éventuellement les rangements pour les tampons et même les dyes plus grands. Oui, parce que je vous montre après le rangement des dyes. Tout simplement, elle est cassée, mais ça va pas être gênant. Franchement, ça va pas être gênant du tout. Donc, on enlève. Alors, vous voyez. Alors, ça, c'est un boîtier simple pour un CD. Et c'est suffisant, hein, parce que avant, je prenais les doubles. Mais c'est pas utile, en fait, de prendre les doubles. Donc, je retire le machin noir, là. Et par contre, après, c'est dommage parce que ça fait du gâchis. Je le jette. Hein, je ne sais pas trop comment je pourrais le récupérer. C'est vrai que ça fait du gâchis, mais bon. Donc, voilà. Donc là, j'ai mon boîtier qui est vide, forcément. Donc, je récupère ma petite planche de tampon. Donc là, vous avez vu, c'est la marque Laura by Laura. Donc, hop. Alors, je vais découper la marque là. Bon, je prends le ciseau. Je prends souvent ma mini guillotine parce que j'ai la flemme. Mais bon. Je trouve que c'est joli. Alors, je vais laisser. Je vais laisser les couleurs là. Je trouve que c'est joli. Tout simplement. Hein. C'est vraiment de la. Vous voyez, en fait, ce que je fais tout simplement. Alors là, je ne vais pas fixer forcément le. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais? Je le fixe ou pas? Je pourrais le fixer avec du ruban adhésif, mais bon, pas forcément. C'est pas. Ouais. C'est pas du. Alors, c'est rapide comme tout. Donc là, je vais le mettre tout seul. Hein. C'est vrai que. Bon là, j'ai vraiment pas la place pour mettre beaucoup de... Mais je préfère vraiment qu'il soit classé par thème, par planche. Voilà, ça me convient. Je sais que ça va me demander de la place. Et donc les boîtes là, celle-ci, elles rentrent dans les casiers du Kallax. On peut en mettre deux, on peut en mettre quatre. En mettant une sur l'autre à chaque fois. On en met deux côte à côte et deux sur l'autre. Ouais, donc 4. Et je pense que moi, si ça déborde, franchement, je les mettrai dessus, sur le meuble ou alors dans une autre boîte fermée. Enfin, je verrai. Pour l'instant, j'en ai pas encore 4. J'en ai 3, je crois. Et j'en ai encore à ranger. Donc, je vous montrerai quand je vous ferai le coin scrap tour, eh bien, je vous montrerai le rangement. Je pense que ce sera finalisé, enfin j'espère. Donc là derrière je vais mettre de la colle comme ça, un roller. Donc ça c'est ce que j'avais trouvé à Nose. Donc ça fait très bien l'affaire, puisque je vais juste en mettre un petit peu pour fixer le. J'en ai qui sont pas fixés, hein. J'en ai que j'ai juste mis dans la boîte comme ça, mais je trouve que ça fait quand même, ça fait mieux. Oui, ça fait mieux. C'est ça le truc.
c'est que ça rend mieux quand c'est fixe. Voilà. Au moins, je sais que c'est... Donc là, j'ai fixé. Voilà. Donc c'est tout en transparence. Hein. Comme ça, j'ai même pas besoin de faire les... tamponnages sur du papier pour voir ce qu'il y a dedans. Hein. C'est très bien comme ça. Et puis pour l'étiquette, donc en fait l'étiquette, je vais la mettre là devant. Je vais la mettre là. Donc en fait, je mets la colle donc sur le devant là. Hop. Et donc je place l'étiquette. Et voilà, donc là c'est fait et maintenant on n'a plus qu'à le mettre dans la boîte. Alors petite info, si vous les rangez dans ce sens là, vous pouvez en mettre un voire deux de plus, mais je sais pas, je préfère dans ce sens là. Voilà, c'est moins haut, donc là ils sont tous là. Donc on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. On peut en mettre 20. On peut mettre 20 petits boîtiers dans une... On peut en mettre un en plus, mais ils vont être trop serrés. Puis après, pour naviguer, j'allais dire. Manipuler les boîtes, c'est pas facile, c'est pas pratique. Après, libre à vous. Donc voilà, c'était mon rangement pour les tampons clear. Et on va passer aux dies. Alors, on va passer pour le rangement dies, qui est un peu le même principe. En fait, j'ai eu l'idée là en faisant celui des tampons. Donc j'ai plus qu'un boîtier. Il faut que j'en rachète. Mais l'idée me paraît assez intéressante. Bon, Nuki nous a rejoint, il est là. Il est juste là. Mais je peux pas bouger le téléphone, sinon ça va tout... Donc vous le verrez que s'il pointe son nez ici. Bref. Bah voilà, vous allez voir un petit peu. Il est là. Non, parce que vous savez, il faut qu'il se mette sur ce que je fais. Donc forcément. Voilà, il est là. Vous voyez que... Donc... avant d'avoir cette idée, mes dies, ils étaient rangés comme ça. En fait, tout simplement, comme ça, par thème, dans des petites pochettes, reliées par un anneau. C'est pratique, hein. Franchement, c'est pratique. En tout cas, c'est plus pratique que je les ai eus dans des classeurs, par exemple. Et... dans des pochettes que j'avais sectionnées avec la fuse et tout. Je m'étais bien pris la tête. Alors, c'était très bien. Mais franchement, à chaque fois, pour sortir le dice, c'était galère. Et en plus, à chaque fois, quand on tournait les pages, ça, si vous voulez, c'était tellement... C'est du métal, donc c'était un petit peu lourd. Et puis, c'était pas stable. C'était je crois que c'était un classeur... j'avais un petit classeur, un tout petit classeur, de la taille un peu de cet album. Et après, j'avais aussi un autre grand classeur pour d'autres dies différents. Enfin bref, ça ne me convenait pas. Du coup, après, j'ai mis tout là-dedans. Donc là, en ce moment, ils sont tous dans une grosse boîte, comme ça. Donc vous voyez, dans cette grande boîte, là, j'ai tous mes trucs en vrac, comme ça. Et donc, je cherche à les ranger. Et j'ai enfin trouvé. Donc, vous voyez. Et là, j'avais pensé... l'autre jour à Auchan, j'ai vu des albums photos. Et je me suis dit, je vais ranger mes dies dans des albums photos. Mais c'est le même principe que les classeurs, en fait. Sauf que ce sont... les pochettes, elles sont fixes. Et en fait, je me suis... je ne vais pas vous faire l'exemple, mais vous voyez, certes, on a des pochettes, des petites pochettes. On peut mettre la feuille aimantée dedans. Faut sortir. Faut la sortir comme ça. Et il y a quand même un petit inconvénient, moi, je trouve.
Et là, bah, en fait, j'ai eu l'idée, là, maintenant, là, enfin, en faisant... en me disant, tiens, je vais vous montrer mes rangements, il faut que je vous fasse la vidéo pour mes rangements des tampons de lire. Et je me suis, je sais pas, j'ai eu comme une révélation. Et je me suis dit, bah, Bendy's, je vais les ranger là-dedans aussi. Donc, le même principe, on va prendre un boîtier. Un boîtier CD. Alors, j'ai pris, donc je vais vous montrer. Bon, pour ranger mes dies, moi, j'utilise soit ces feuilles-là. Donc, ce sont des Mahé. Donc, ils sont des feuilles, donc, on a deux feuilles magnétiques dedans. Il y a plusieurs formats. Celui-là, il fait 12,7 cm sur 20,3 cm. Donc, ils sont autocollantes. Donc, c'est pas mal. Et ils sont très épais et ils sont très magnétiques. Enfin, je veux dire, la force, elle est pas mal. Je crois que c'est un petit peu cher et je n'ai plus le prix du tout. Je les avais trouvés chez Cultura. Mais on en trouve, je pense, sur les sites hein, également. Donc, vous voyez, elles sont autocollantes. Donc, ça, c'est bien. Et sinon, j'ai aussi... Alors là, par contre, je me suis amusée à faire des découpes... On a ces feuilles là, donc c'est la marque Avery, vous voyez c'est tout ce qui est feuilles pour imprimantes, etc. Donc là en l'occurrence c'est par exemple pour imprimer des photos et de les mettre sur le... et que ce soit magnétique. Donc c'est pareil, j'ai pas le prix, je crois que c'est aux alentours de 9€ à peu près, si c'est pas moins, je sais plus. On a trois, il n'y a que trois feuilles dedans. Bon, bah, c'est cher quand même. Ouais, c'est quand même cher. Je sais pas exactement le prix. Hein. Et peut-être que sur Amazon, ils sont moins chers. Hein. Moi, je les avais achetés à Auchan. Après, c'est une feuille A4. Donc, je vais vous montrer. Donc, je les ai déjà découpées donc, aux dimensions de la boîte CD. Donc, ils sont même déjà dedans. Donc, en fait, on a... Hop. On en a une. Là, c'est la plus fine. Donc, l'arrière est blanc. Donc, c'est pas mal. L'arrière est blanc. Elle est plus fine. Donc, ça, c'est les grandes feuilles A4 donc, que j'ai découpées. Et là, j'ai découpé la feuille Mahé. Donc, qui est beaucoup plus épaisse. Hein. Qui est beaucoup plus épaisse. Et donc, là, derrière, c'est autocollant. En fait, on peut... Hop. Donc, ça, c'est pas mal. Franchement, ça, c'est pas mal. Voilà. Là, c'est autocollant. Donc, je ne sais pas du tout quelle die je vais ranger et quelle feuille je vais utiliser. En gros, je me dis, on peut soit... alors, je pense que même si derrière c'est blanc pour l'autre, là, je ne vais pas mettre la découpe derrière, mais je vais les mettre devant. Donc, par exemple, vous voyez, j'ai ce grand die. Que je pourrais ranger là tout seul ici dans la boîte. Voilà, il y a Nuki qui s'amuse à. Eh, oh. Je sais pas si vous l'avez entendu. Il fait miaou, miaou, miaou. Je l'embête en fait. Mais eh, Nuki, fais pas bouger la caméra, bébé. Voilà. Donc, on peut par exemple ranger ce dice là tout seul. Et donc, alors je me suis amusée, hein. J'ai fait des découpes du coup. Je le trouve très joli d'ailleurs, ce petit sorceur de napperon, mandala napperon, je sais pas trop. Je l'ai fait en bleu et en rose. Et en fait, vous voyez, je vais mettre la découpe ici pour qu'on voit quand même ce que ça donne. En revanche, je ne sais pas du tout. Du coup, bon, alors soit je vais ranger celui-ci par exemple. Un peu. Quand ce sont des petites découpes, enfin des petites découpes, là j'ai mes appareils photo là, voilà, ils sont là, alors, attendez, parce que là j'ai une boîte avec quelques découpes, quelques dies aussi, hop là, ouais parce que j'ai Nuki qui fait sa vie hein, aussi sur le bureau, hop. Donc là, je peux mettre, par exemple,
les deux appareils photo ensemble. Si, si, ça rentre. J'avais essayé déjà. Donc, voilà. Avec les découpes, donc le petit et le grand. Voilà, ça donnerait ça. Hop, on met les découpes là, ici, comme ça. Donc là, c'est pareil, vous voyez, ce qui est bien, c'est que on, voilà, on l'ouvre et on a juste à les prendre. Et ça tient très bien. Vous voyez, en fait, je vais fixer cette... je vais fixer la feuille aimantée là, sur ce côté-là. Et bon, alors, je vais enlever les découpes pour vous montrer. Mais en fait, vous voyez, hop, hop. La plus fine tient très bien aussi. Hein, donc là, on pourrait éventuellement rajouter une petite... alors celle-là, non, rentre pas. Hop, je pourrais rajouter celle-ci, éventuellement. Mais comme... hop, il n'y a rien. Celle-ci, la petite, là. Et comme j'en ai une deuxième ici, je vais devoir la mettre toute seule. Donc, je préfère laisser les deux grands. Les deux grands ensemble. Et voilà, les deux grands ensemble. Et voilà. Après, voilà, j'ai plein d'autres découpes. Enfin, là, c'est juste que je me suis amusée à découper, mais... je sais pas comment dire. Je peux mettre... voilà, je peux mettre... hop. Enfin, ça, c'est juste la... c'est juste la découpe. Je sais pas le... c'est pas le dice, en fait. Mais... ouais, je peux en mettre plusieurs. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... voilà, vous savez quoi? Hop. On va commencer. Je vais le faire avec vous, du coup. Je vais en faire un. Je verrai après quelle découpe je range... quel dice je range à l'intérieur. J'ai envie de mettre le gros, celui de Mike qui est beaucoup plus, hop, qui est plus, oh, qui est plus épais, hein, voilà. Ça, je vais décaler, voilà, je range comme ça. Donc, est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez, avec un petit bout de Nuki là. Donc, il est vraiment, alors, c'est vrai qu'elles sont pratiques celles-ci parce qu'il est autocollant, donc. On a juste à enlever la pellicule, là, tout simplement. Et il ne faut pas que je le mette n'importe comment, du coup. Voilà. Et ça colle bien en plus, hein. C'est pas... non, non, ça colle très bien. Donc, vous ne loupez pas. Après, c'est cher, certes. C'est un investissement. Mais moi, je pense que... une fois que notre scrap room elle est bien rangée, qu'on y trouve son compte, c'est-à-dire que là moi j'y trouve mon compte, mais ça va peut-être pas être, ça va peut-être pas être, je vais y arriver, ça va peut-être pas être le cas de tout le monde et je suis d'accord, j'en conçois tout à fait. Moi c'est ma façon la plus pratique pour moi de les ranger et de les attraper. Franchement, quand il y a besoin d'aller pour attraper un truc, de prendre, d'aller se... enfin, je sais que dans les pochettes, je galérais. Et bah, je suis plutôt satisfaite de mon idée, là. Donc, voilà, voilà. Je ne sais pas du tout. Qu'est-ce que je range? Est-ce que je range le mandala bidule, là? Ou... bon, je crois que je vais ranger celui-là. Hein. Là, il n'y a pas de chichi. Hein, on va pas... voilà, hop. Je le mets là. Donc là, c'est nickel. Vous voyez? Il est rangé. Et puis, alors, je pourrais très bien ne rien mettre, hein, parce qu'on voit au travers. Mais histoire de voir ce que ça va donner, on va mettre quand même la découpe. Donc là, pour la coller, par contre, bah si, je vais utiliser quand même ce petit machin-là. Je vais en mettre un petit peu où je peux. Je vais en mettre comme ça. Hop. Il n'y a rien, mais bon, en même temps... pas juste, c'est juste que je vais me poser de la colle dessus, hein. C'est pas, c'est rien de... je suis un peu speed, je sais, mais parce que là je vais travailler, je vais partir pour le boulot, mais je tenais vraiment à vous faire cette vidéo. Je vais la mettre à télécharger après. Franchement, avec le téléphone c'est bien, hein. Je la mets avec la 4G, je fais le montage dans le train, dans les transports, enfin dans le bus, parce que je prends le bus, et c'est nickel. Vraiment nickel. Les applications et tout sur le smartphone.
pensais pas qu'on pouvait faire tout ça. Donc voilà, j'en ai mis vraiment succinctement là-dessus. Enfin, succinctement, je sais pas si ça se dit, mais bon, un peu partout. Et je suis très con parce que j'en ai mis sur le côté où il fallait que je le mette de ce côté-là, en fait. Donc là, vous voyez, par contre, j'ai fait une bêtise. Alors, c'est pas bien grave parce que ça colle pas tant que ça. Donc, du coup, je vais en remettre. Vous voyez, Nuki, pousse-toi. Bon, attendez, je coupe. Non, mais je vous jure, ce chat, hein, il va me rendre folle. Je sais que quand j'ai commencé à filmer, il était comme ça, mais il s'était un peu calmé. Et puis là, bon, bref, j'ai remis de la colle de l'autre côté. Je vais le poser là-dessus. Comme ça. Par contre, là, ça colle encore de ce côté-là, mais je pense que ça va se... Vous savez, c'est pas de la colle bien... voilà, en frottant comme ça, ça part. Enfin, ça enlève le côté collant. Donc voilà, c'est pas bien grave. Donc, c'est pas comme si Nuki me facilitait pas la tâche. Mais voilà le rangement. Alors, bon, si on veut être un peu pointilleuse, on essaye de le mettre... On essaye de le mettre dans le même délire, si on peut dire. Genre, on va le mettre comme ça. Ça y est, on va essayer de le tourner pour que ce soit bien en face. Mais en même temps, je m'en fous complètement. C'est pas bien grave. Je sais de quoi... Comment dire ? Oh, Nuki. Bon, on va dire que ça va, hein, parce que Nuki m'embête. Et je vous avoue que j'ai pas trop le temps. Donc voilà. Et donc pareil, je les mettrai dans une boîte au champ. Et donc voilà, mon premier rangement d'eyes. Je vous montrerai quand j'aurai tout rangé. Pareil. Si j'ai des grands eyes, et je les mettrai je les mettrai dans des grands trucs, dans des pochettes DVD. Voilà. Je vais rebasculer la caméra quand même. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Enfin, disons que ça va vous servir. Je pense que c'est pas mal ce système de rangement. Et comme je vous disais, je verrai si je ne mets pas dans une grande boîte, plutôt une grande boîte qui rentre dans les cases du Kallax. Mais bon, pour l'instant, ça me convient comme ça. Donc voilà. Et donc, ça va, je vais même avoir le temps de vous la mettre en ligne, la vidéo, avant de partir travailler. Donc ça, c'est cool. Je prépare d'autres vidéos. On m'a demandé une vidéo qui peut être intéressante. Je pense vous la faire bientôt, dès que je peux. Et je regarde dehors parce que le soleil s'est levé, c'est sympa. Ce matin, c'était gris. Bon, écoutez, je vais pas partir dans mes montagnes aujourd'hui. Hein. Donc, non, faut que je parte travailler, c'est d'autres montagnes. Donc voilà, bon, je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.